devant l'Éternel de tous les actes que l'on passe sur cette terre. C'est pour cette raison que le message que je veux parler ce matin, j'ai touché sur l'élément de la sorcellerie. Alléluia! Je sais que d'autres là commencent à avoir un peu mal. Mais soyez calmes. Je veux que tu puisses d'abord toucher ton cœur. Tu mets ta main dans ton cœur. Dis à ton cœur, ne m'emmène pas en enfer, parce que j'ai été prié pour voir et vivre avec Jésus-Christ. Déclare à ton cœur que ne m'emmène pas en enfer. Ne m'oriente pas vers le chemin de l'enfer. Je veux voir Jésus-Christ. Je veux vivre avec le roi des rois. Je veux vivre avec le maître des mondes, le maître de l'univers visible ou invisible. Enlève tes semences dans mon cœur. Enlève tes semences dans mon cœur. Enlève tes semences dans mon cœur, Satan. Enlève tes semences dans mon cœur. Je désire que mon cœur soit entièrement à la gloire de Jésus-Christ et que je l'honore jusqu'à la fin de ma vie sur cette terre. Satan, dégage de mon cœur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux relater rapidement quelques les frères passés. Lors de la création, tu as créé les cieux et la terre. Le péché a envahi la terre jusqu'à ce que le Seigneur n'a pas pu supporter. Et puis il a fini par envoyer le déluge. Il a exterminé toute l'humanité entière. Animal comme l'oiseau, comme toute autre créature, a été décimé. Et le Seigneur a mis l'arc-en-ciel pour faire une nouvelle alliance en disant que je n'exterminerai plus la terre avec le déluge, c'est-à-dire avec la de l'eau. Chaque fois que quand l'arc-en-ciel apparaîtra, c'est un signe que j'ai conclu avec l'humanité. Que je ne tuerai plus jamais les hommes avec l'eau de pluie. Alléluia. Amen. Et l'arc-en-ciel était comme un signe d'alliance auquel nous sommes nous avons conclu avec l'Éternel. Alors nous sommes sortis aujourd'hui de la lignée d'une personne qui était un être devant le Seigneur, qui a été sauvé, Noé, qui était parmi eux, ils étaient au nombre de 8. C'est à partir de 8 personnes que la terre a été encore remplie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons tous que l'Éternel a établi l'homme pour que l'homme puisse dominer sur cette créature. Nous avons été créés pour dominer. Nous n'avons pas été créés pour être dominés. Et à ce jour, le Seigneur nous a établi pour assujettir la terre et contrôler la terre. Et assujettir tout ce qui existe, y compris Satan. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors pendant ce temps, aujourd'hui on s'est laissé faire et le ténèbre a pris contrôle encore des hommes pour les assujettir et les manipuler. Quand le monde a existé, le diable qui avait détruit, qui avait poussé l'homme à des péchés auxquels le Seigneur a dissimé toute la population, l'Éternel, le diable aussi, a suscité encore un esprit qu'on appelle Sémiramim. Cet esprit Sémiramim avait accouché un enfant. Et c'est cet enfant-là qui était devenu son. Alléluia. Et à partir de cet enfant-là, de cette femme-là, c'est la descendance. Je souffre de résumer parce que je ne peux pas entrer dans le détail. Et a permis que nous puissions vivre comme de la divinité que vous attendez. Diane, Diane, Déverse, Sissi, même le Chine, au niveau de Chine, il y en a plusieurs noms qui sont en train de faire qu'on appelle communément la reine du ciel. Alléluia. Amen. C'est cette reine du ciel qui a un bébé que nous voyons comme maman Marie. Alléluia. Amen. Et ce bébé-là, c'est ce bébé-là qui a
descente, qui a fait descendre, c'est là où tout le mal est en train de se juger et toutes les divinités sont reliées à cette divinité qui est en train de contrôler l'homme, y compris la sorcellerie. Amen. 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 Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi j'ai fait la mention du cœur? Parce que je sais que tout ce que nous sommes en train de vivre, la réalité spirituelle qui se passe dans nos vies, se passe par le cœur. Je vous en supplie. Ce n'est pas ta mère qui est mon Dieu. Amen. Tu veux m'entendre bien. Pourquoi à un moment donné, parfois, vous me dites que je suis tellement. Je te décrache mal. Ce n'est pas ta maman qui est ton Dieu. Ce n'est pas ton papa qui est ton Dieu. Amen. Ce n'est pas ton étude qui est ton Dieu. Amen. Ce n'est pas tes ancêtres qui sont tes dieux. Jésus-Christ a été envoyé seul. Le jour où tu es sorti, tu es arrivé sur cette terre, tu es venu seul. Amen. Je vous ai toujours dit que quand tu regardes la naissance d'un enfant, quand l'enfant naît sur la terre, la sortie du ventre de sa maman, à partir de sa sortie, tu ne trouveras jamais l'enfant qui est né les mains ouvertes. Tous les enfants naissent avec la main fermée. Amen. Alléluia. Quand on dit que l'enfant naît les mains fermées, pourquoi? Parce qu'aucune personne n'est venue sur la terre sans être envoyé en mission. Amen. Alléluia. Amen. Le dimanche prochain, je vous ai dit que toi-même, tu es là, tu es une victoire de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que tu as tout triomphé sur tout et tu es sorti seul. Amen. Quand tu es sorti seul, tu as éliminé tous les restes, on a dissimulé tous les restes et tu es sorti victorieux. Quand tu es sorti victorieux, tes mains fermées. C'est-à-dire, dans tes mains, il y a un rouleau de la mission que Jésus t'a confié pour achever la terre où tu es sorti. Alléluia. Alléluia. Alors, comme tes mains sont fermées avec un rouleau de la mission que Jésus t'a confié, et ce rouleau-là, ce n'est pas à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui est personnel en toi. Alors, donc, quand tu ouvriras ce main, c'est pour lire ce rouleau et appliquer ce que Dieu veut que tu puisses agir dans ce monde. Alléluia. Alléluia. C'est pour cette raison que ne m'appelle pas Congolais, ne m'appelle pas je suis où tu étais là, ne m'appelle pas parce que je suis parolé, ou je suis tant, ou je suis tant. Je vous méfie de tout ça parce que le malheur que vous êtes en train de vivre, les conséquences que vous êtes en train de vivre, c'est le héritage que vous avez acquis à partir de vos parents, à partir de vos ennemis, que vous êtes en train de continuer, de conserver, et ça empêche que le Saint-Esprit ne fasse pas son travail sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu puisses comprendre quelque chose. Il faut que chaque personne se révolte. Je ne t'ai pas envoyé parce que tu es mouillé, on ne parce que tu es pas envoyé. Dieu ne t'a pas envoyé parce que tu es allié. Dieu ne t'a pas envoyé quoi que ce soit. C'est l'endroit où tu as confié pour que tu laisses. Mais il ne t'a pas dit de ne pas copier ce que tu as trouvé, mais de suivre Jésus comme le modèle de ta vie. Alléluia! Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, vous appelez tout le témoignage. Le message qu'est en train de dire, il est en train de faire une mention sur quelque chose. Mais le temps où est-ce que ça revient, le temps où Jésus-Christ va revenir prendre son église, l'Antichrist est en train de faire ce travail, l'Antichrist est en train de distribuer des choses négatives. Même avec ma famille, je suis très dur. Et on me connaît. Je ne mange pas mes mots. Je suis direct. Je suis direct. L'autre fois, mon petit frère m'a appelé. Ah, nous sommes les enfants du chef. Moi, je dis, tes qualités dans ta gueule.
Je n'ai pas besoin de la royauté du monde. Parce que j'appartiens à un grand roi. Les grands qui vivent sur la terre. Je n'ai pas besoin de créer le ciel et la terre. Je m'en fous de la royauté satanique. Parce que cette royauté satanique ne m'amènera jamais au ciel. Mais ça ne peut pas simplement à être esclave du diable pour aller en enfer. Je ne veux pas aller en enfer pour passer mon éternité dans un feu qui nous éteindra. Point. Alors donc, aujourd'hui, nous voyons ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les esprits des eaux, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ces esprits des eaux-là ont une mission. La première mission des esprits des eaux, c'est d'éteindre ta foi. Alléluia. Amen. De bloquer ta foi. Pour que tu ne puisses pas avoir une croyance. Que tu ne puisses pas croire en Jésus. Donc ta foi est superficielle. Deuxième chose, ils agitent le cœur. Alléluia. Ils agitent le cœur. Quand tu regardes l'agitation dans le cœur, le trouble, pourquoi mon cœur, pourquoi te trouves-tu dedans de moi? Espère à l'éternel. Pourquoi t'agites-tu au-dedans? Le livre de Marc, Jésus était dans la barque. La barque est constituée à l'appeler comme église. Et pendant qu'ils étaient en train de partir au niveau de la barque, il y a eu, la mer a été agitée. Agitée, alléluia. Cette agitation-là, c'est les esprits des autres qui ont travaillé. Alors ils voulaient dénigrer les fidèles qui étaient tous, les peuples, les apôtres qui étaient tous tout avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'on voulait dénigrer Jésus-Christ pour démontrer comme ils sont puissants. Alors ils ont envoyé un tourbillon. Le tourbillon, ils étaient troublés et Jésus dormait. Alléluia. Amen. Quand Jésus dormait, ils sont partis le réveiller. Seigneur, ne vois-tu pas qu'ils sont en train de périr? Et Jésus a dit, mais tais-toi, vent, tais-toi, tout a gardé silence. Le Seigneur a démontré qu'il est le maître de l'univers visible et invisible, le maître de la mer, le créateur de toutes choses, ce qui est visible et invisible, c'est Jésus qui est le maître de tout. Il a détruit toi la mer et la mer s'est calmée. Au même moment, le vent s'est calmé, le tourbillon s'est calmé, les esprits des eaux étaient confondus. Parce qu'il détient le contrôle de tout, il les connaissait. Et puis il a déclaré au père, à ses enfants, pourquoi aviez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous pas la foi? Alléluia! Alléluia! Pourquoi n'avez-vous pas la foi? Pourquoi vous êtes agités? Pourquoi vous troublez? Ne viens pas que vous attendez serpents fuyants. C'est le travail, c'est le maître. C'est le serpent qui est le maître de la sirène et tout. Et c'est lui qui travaille. Si la sirène t'appelle comme mari de nuit, comme femme de nuit au fond de l'eau, mais t'es en tête de l'air, c'est lui qui surveille en plane, qui plane, s'appelle serpent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de
Apocalypse 12, à partir du verset 7. Vous lirez ça à la maison parce que je vais essayer en train de résumer. Sinon, on ne va pas terminer ce que je voudrais faire parce que j'ai tiré à prier pour vous ce matin. Alléluia. Mais ceux qui ont fait, dites à votre ventre de se taire un peu. Hein? Dites à votre ton estomac de se taire un peu. Aujourd'hui, tu veux manger un peu la nourriture spirituelle. Alors que le Seigneur puisse te détacher de quelque chose ce matin. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et ce que j'ai dit, l'exemple des eaux là, c'est Marc 4, 35 à 41. Parce que ce sont les mêmes esprits des eaux qui poussent aux femmes de ne pas reconnaître l'autorité de l'homme. Alléluia. C'est le même esprit des eaux qui travaille. La présence de l'esprit des eaux dans leur vie, c'est pour pouvoir dévier le destin de Dieu, empêcher. L'homme et la femme ne peuvent pas reconnaître l'autorité de son mari. Ils sont troublés de l'autre. Ils arrivent. Ils déposent en nous l'agitation. Ils déposent en nous le trouble. Ils déposent en nous tout ce qui est en train de se faire pour nous déplacer de la présence du Seigneur. Mais Jésus nous a dit, pourquoi aviez-vous peur? Il a interdit à chacun de nous d'avoir peur. Deuxième chose, il dit, garde ta foi. Pourquoi avez-vous perdu ta foi? C'est à cause de ce qui est en train de voir. Le regard avec les yeux nous fait troubler, et puis c'est peut-être perdre la foi. Mais celui qui espère en l'éternel a toujours confiance que Jésus détient le dernier mot. Moi, je vous ai toujours dit, je répète encore aujourd'hui, le Dieu que tu pries, que je prie, s'appelle l'Alpha, il s'appelle l'Oméga. Même si un problème t'agite, même si un problème te trouble, dites-le que Jésus n'a pas encore dit le dernier mot. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a pas encore dit le dernier mot. Parce qu'il est l'Alpha. Mais vous pouvez m'agiter au milieu, mais celui qui dira le dernier mot de ma vie. Donc, je ne mourrai pas. Je vivrai. J'ai la vie parce que Christ m'a donné cette vie. Et parce que ce n'est pas le ténèbre qui m'arrachera ta vie. Ce n'est pas le ténèbre qui va t'arracher ta vie. C'est Jésus qui t'a donné cette vie-là. Conserve-la. Aie ta foi et crois en lui qu'il te gardera jusqu'à la fin. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai jamais. Il y a une guerre au ciel. J'ai pas répété rapidement. Dans le ciel, il y a eu la guerre. Cette guerre que nous avons sur cette terre-là a commencé non pas sur la terre, mais ça a commencé au ciel. Amen. Alléluia. Ce serpent à ciel, Léviathan, Satan, qu'on appelle dragon rouge, c'est celui-là qui avait sensibilisé, séduit les autres anges, et puis ils ont conformé un groupe pour combattre Dieu parce qu'il convoitait la place de l'éternel. Alléluia. Et puis ils n'étaient pas les plus forts, on les a ramassés et puis on les a jetés sur la terre. Ils ont pris la place que lui occupait au ciel, ils ont donné à l'homme. Moi je suis sur la terre, mais je suis à la place où Satan était, un adorateur de Jésus-Christ. Ça nous arrête. Voilà pourquoi nous nous attendons beaucoup plus pour adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes faits pour adorer notre Dieu. Et cette place-là, que Satan était l'adorateur, Satan qui était le compositeur de la musique, c'est lui qui chantait, qui faisait tout. Il veut de toi, l'homme qui puisse chanter à la place, qui puisse adorer le Seigneur. Voilà pourquoi nous déclarons que nous sommes un, le vrai adorateur de Jésus-Christ, parce que nous sommes les remplaçants du diable. Sur la paix, il t'a créé, il dit, j'ai établi le responsable de cette humanité tout entière. Domine sur tes ennemis. Domine sur toute créature. Domine sur tout ce qui existe. Y compris Satan. Y compris les démons. Y compris la sorcellerie. Y
célèbre pour lui dire, tais-toi. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur va laisser une procuration. Je suis en train de parler sur ce moment-là, je vais rentrer tout de suite. Il t'a laissé une procuration. Alléluia. Amen. Il a signé son ordonnance. Alléluia. C'est pour moi qu'il a dit, je vous ai interdit de ne pas toucher. Parce que là, le lieu auquel moi je vous amène, c'est le lieu auquel vous devez vous conformer à ma parole. Vous devez m'obéir. Je suis le seul, unique vrai Dieu qui doit être adoré. Tu ne toucheras pas au charlatan, ni à nos augures, ni tu n'invoqueras pas le mort. Ceux qui partent consulter le mort, je vais à la tombe de mon grand-père, la tombe de mon papa, je vais l'appeler, papa, je suis en train de tourmenter. Mais tu ne sais pas qui brûle dans le feu. Alléluia. Il est dans le feu. Comment il va sortir dans le feu puis venir te secourir? Amen. Hein? Peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Il a fait son jeu, sa vie. Il n'a pas obéi. Il était accroché aux idoles. Comme il est accroché aux idoles, le Seigneur dit, les idolâtres dehors, les impudiques adultères dehors, les ivrognes dehors, les menteurs dehors, ceux qui aiment le mensonge dehors. Alléluia! Alléluia! Venez vous qui êtes mes enfants. Vous avez foi en Jésus, venez. Vous avez cru en lui, venez. Venez avec un cœur disposé. Alors maintenant, vous attendez le mot sorcellerie. Alléluia. Amen. Sorcellerie. Qui est sorcier ici? Qui est sorcier ici? Qui est sorcier ici? Aïe, il n'y a pas sorcier. Hein? Il n'y a pas sorcier ici. Vrai. Est-ce qu'il n'y a pas sorcier ici? Peuple de Dieu, alléluia! Il n'y a pas de sorcier ici. Je vais descendre. Je vais poser la question. Tout le monde est saint. Donc, ça fait des saints. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Caïn et Abel. Hein? Amen. Genèse. Genèse. Genèse 4, verset 3 à 8. Genèse 4. Je vais aller rapidement. Genèse chapitre 4, verset 3 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, a fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Oui. Et pourquoi ton visage est-il abattu? Oui. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Oui. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. À la porte. Oui. Et ses désirs se portent vers toi. Oui. Mais toi, domine sur lui. Domine sur le péché. Qui est jalousie? Qui est jalousie? Qui appelle la jalousie? Je dis que c'est jaloux. Jaloux. Ceux qui sont jaloux, ils soulèvent les mains. Aïe. Les jaloux. Alléluia. Voilà.
Caïn a tué Abel à cause de quoi? La jalousie. À cause de la jalousie. Alléluia. Mais un sorcier tue, Caïn a tué. Ce n'est pas des sorciers. Amen. Pas sorcier. Amen. Mais toi, tu n'es pas jaloux. Hein? Tu n'as pas tué. Amen. Alléluia. Amen. 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 Aïe, mais vous êtes sains, non? On va partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qui a la pensée de se venger ici? Qui veut se venger? Quand tu fais là, tu n'es pas sorcier. Amen. Hein? Dis-moi, tu n'es pas sorcier. Si, papa, on est sorcier. Vous pensez que c'est pour moi que ça a volé, c'est non, pas la grosse sorcellerie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que mon frère, c'est ce qui est en train de bloquer nos vies. Jésus est en train de dire, soyez légers, parce que quand je viens, je vais trouver mon épouse. Mais mon épouse s'est préparée. Il s'est débarrassé de la haine. Il s'est débarrassé de la jalousie. Il s'est débarrassé des rancunes. Il s'est débarrassé de ceci. Il s'est déprié. Il s'est lavé. Il s'est parfumé. Comme moi, son créateur, son épouse, je viendrai. Je trouverai mon épouse propre. Alléluia. Là, tu viens de faire le marché là. On dit c'est celui-là qui t'a fait comme ça. C'est lui qui a pris ton mari là, non, bon, c'est celui-là. Et toi, tu dis que je suis là, je suis propre. En bon. Amen. En bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sont les chapeaux à toi que tu amasseras sur sa tête. Surmonte le mal par le bien. Alléluia. Aime ton ennemi. Pardonne ceux qui te persécutent et qui te maltraitent. Il n'a pas dit venge-toi. Il n'a pas dit cherche le malheur de celui qui t'a fait du mal. Il veut que tu puisses libérer ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui a écouté son papa? Un héritage. Tu connais la vie de ton père, non? Tu connais la vie de ta maman? Qui a pu hériter un titre d'héritage si son père, si sa mère? Gloire au Seigneur. Je n'ai pas dit les bons héritages. Hein? Mauvais héritage. Vous avez pris là. Le mauvais héritage. La haine. L'héritage que tu as pris ton père. La rancune. Tu ne pardonnes jamais. Même si moi j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Tu as pardonné, mais tu n'as pas oublié. Donc maintenant tu n'es pas sorcier. Amen. 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 Hein? Amen. Peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as pardonné, mais tu n'as pas oublié. Quand tu vois la personne qui te rappelle des temps, même l'heure, même la couleur qui était au niveau du ciel le jour-là. Tu as ça dans ta tête. Donc tu dis maintenant, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Tu n'es pas rancunier. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas rancunier. Mais un rancunier, ce n'est pas un sorcier. Amen. Aïe. Ce n'est pas un rancunier, ce n'est pas un sorcier. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui a la rancune. Il trouve une occasion. Il te fera du mal. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, tu souhaites même qu'il meure. C'est dit, toi, vous savez très bien, ma soeur, mon frère. Quand je parle de la sorcellerie, je ne parle de la sorcellerie, la plupart des personnes se voient comme si elles sont propres. Là, je parle de l'église. Une sorcellerie religieuse. Une sorcellerie d'église. Auquel les démons viennent atterrir chez toi la nuit. Ils sont à l'aise. Ils dansent avec toi. Ils marchent avec toi. Et quand ta prière là, il part maintenant chez la personne qui priait. Quelqu'un qui va pour l'ennemi, oui, il prend l'élève. Waouh!
parole. Et la personne dit, laisse-moi. Mais toi, tu es tout réveillé le matin. Parce que la personne là, tellement que tu l'as étranglée, elle est morte. Elle dit, ah, elle a dormi, elle s'est réveillée, puis elle n'est pas réveillée, elle est morte. Ah, vraiment, oh Seigneur, merci. Jésus de Nazareth, merci. Parce que mon ennemi là, il est mort, il m'a tourmenté beaucoup. Il m'a fait ceci, il m'a fait ceci. Mais qui l'a tué, c'est toi-même, l'esprit assassin. Alléluia! Alléluia! Sorcier! Alléluia! Il est mort parce que tu es réussi. Mais qui l'a tué, c'est toi. Si après ta prière, plus ton âme, il est parti étranger cette personne pendant qu'il dormait. Toi, tu croyais que là, c'est le cas. Si après, tu sais comment ça se fait. Tu en sais quoi, même plus. À ce moment-là, écoutez-moi bien. Amen. Le diable ne fait pas vivre, ne tue pas lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Il t'épouse, il te prend toi l'homme. Tu pars, tu tues. Et il prend le sang de cette personne-là, il met dans tes mains. Alléluia. Amen. Seigneur, ce n'est pas moi, c'est lui-même. Amen. Est-ce que tu ne vois pas le sang dans ses mains? Mais tu viens maintenant sur le livre d'Ésaïe 1, verset 15. Alléluia. Si tu ne te mets vers moi, je te tourne vous mes yeux. Si tu n'y dis plus de prière, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Alléluia. Alléluia. Ah, moi, je n'ai pas encore tué. Et je n'ai pas encore fait. Mais qui a tué la livre aujourd'hui? Alléluia. Et on dit, moi, je ne suis pas sorcier. Quand tu danses, c'est quand la personne est morte là. Tu penses que c'est le fait quoi? C'est que tu viens bien les prier. Il est bien prier parce que tu as tué. C'est pas que le jus sort de la personne. Qui va pas mourir? Tout le monde va mourir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que mon frère, ces choses sont faites pour préparer. Parce que l'enlèvement se prépare. Amen. Amen. L'enlèvement se prépare. C'est pourquoi que je veux que nous arrivions à nous débarrasser de toutes ces suites-là. Parce que nous appelons sorcellerie seulement parce qu'il a fait, il a envoûté, il a fait quoi que ce soit. Mais il y a plein d'envoûtements. Vous savez bien, beaucoup de gens font des prières suicides. Parce qu'une prière se suicide désire le malheur de l'homme de son ennemi. Alléluia. Quand tu désires le malheur de ton ennemi, tu ne prie pas la prière de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu nous dit, aide ton ennemi. Priez pour tous ceux qui vous persécutent de la tête. Afin que vous soyez comme votre père qui est dans le lit, qui fait donner son soleil sur le juste et sur les injustes. Alléluia. Amen. Si toi tu dis maintenant, bonjour simplement à celui qui t'aime, qu'elle fait une foule extraordinaire, les païens entre nous et se saluent. Alléluia. 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 Aime ton ennemi. Mais la prière que tu fais, il n'y a pas de prière d'amour dedans. Toute prière, s'il n'y a pas d'amour, ça n'ira nulle part. Ça s'arrête au plafond d'ici là. C'est une prière qui a l'amour. Même si ton ennemi, c'est une prière du mal, quand tu intercèdes avec l'amour, tu vas voir que la prière traversera. Et ça sera là que celui qui est le juste juge. Le juste juge. Lui-même te défendra. Alléluia. Il défendra ta cause et il verra, tu vas voir qu'il se vengera pour toi. Amen. 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 Toi, tu fais le devoir. Ah, parce que toi, on me dit, parce que, allez, là, aussi, j'écoute les questions, on me dit, on va poser des questions. Ah, parce que c'est pas facile. C'est lui qui a tué ton père, comment tu vas l'aimer? C'est lui qui a tué ta mère, et qui m'a tête. Qui a tué, qui a détruit par ton foyer, qui a détruit ceci, qui a détruit tes enfants? La Bible dit quoi? Fais le premier pas. Amen. Il le reste, le Seigneur avancera. Amen. Parce qu'il sait que tu n'es pas passe-passé. Ce n'est pas facile que tu aimes celui qui te maltraite. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme la Bible me le recommande, fais le premier pas. Jésus s'en chargera de pouvoir t'aider pour que te communiquer, transférer son cœur, la portion de son cœur à ton cœur. Et tu aimeras celui qui te maltraite. Tu comprendras que ce n'est pas lui qui te maltraite, mais c'est les démons qui sont rentrés en lui et qui est en train de faire du mal. Alléluia! Amen. Peuple de Dieu, alléluia! Amen.
sait que Jésus nous mange? Oui. Hum? Oui. Vous savez que Jésus nous mange? Amen. Il combat pour nous. Amen. Moi, je ne vais pas me faire passer à la réponse.